D'ailleurs, j'ai appris que c'était le retour du Covid. Ah, chouette, ouais. 3 ans. Ah, on n'avait pas vu un produit made in China durer aussi longtemps. Ah ben, habituellement, un slip chinois, tu le mets une fois, pff, t'as un string, quoi. Retire-le, s'il te plaît. On en est au 23e variant. 23, tu vois, c'est plus un virus, hein, c'est une cousinade chez les De Villiers, tu vois. Moi, ça me manque, le Covid. Ouais, j'ai un petit Covid blues. Déjà, les masques. C'est vrai que depuis la fin des masques, on revoit des gosses moches. On a plein, c'est horrible. Ça crée de la déception, tu sais. La caissière de chez Carrefour Market qui t'a fait fantasmer pendant 3 ans, ça. Le regard, hein, le regard de Scarlett Johansson, les chicots de ah, Jacouille la fripouille. Oh, respecte-toi. Nous sommes en guerre. Oh là. Quand on va raconter ça à nos petits-enfants, papy, papy, t'as fait la guerre? Ouais. Laquelle? 14-18? Non, Covid-19. Oh. Ah, moi, je me considère comme un héros, quoi. J'ai, ah bah, attends, j'ai résisté, toi. 2 mois sans aller au restaurant. Jean Moulin, il aurait jamais tenu aussi longtemps, toi. On est passé de Jean Moulin à Jean Moulbure, hein, tu sais. Ah, on était des bons Français, tu vois, on est restés planqués. Ah, puis comme dans toute bonne guerre, on a envoyé les Noirs au front, là, hein, les tirailleurs sénégalais de chez Deliveroo. Oh, c'est formidable. Et confinement, quelle bataille! On a fait Verdun sur notre canapé. On n'a rien foutu, tu vois. Ah, moi, j'ai adoré ça, le confinement. J'ai fait que picoler et bouffer. Moi, tu vois. Je suis sorti du premier confinement, j'avais les gammes agitées d'un syndicaliste de Sudrail. Ah, j'étais là, une loque. Hein, on passait notre temps à regarder la télé, à regarder Édouard Philippe en train de se transformer en dalmatien. Là, là. Ça y est, hein, la mue est terminée. Hein, on dirait un petit chihuahua maintenant. Ah, c'est formidable. Hein. J'ai rien fait. Si, je me suis remis au jogging. Hein, non, pas le sport, le vêtement. C'est génial, le jogging. Hein. C'est une véritable couette de jour. Hein. Ah ouais, il y a toujours un coin propre pour essuyer quelque part. Allez hop, la table basse, je m'en occupe. Les petites cuillères, ouais c'est bon chéri. Hein. Le gosse, ouais il est torché, je le remets demain. Ce qui me manque le plus dans cette période, c'est quand même la rigueur journalistique. On a fait un grand pas en arrière. Vous vous rappelez le JT de TF1, chaque soir c'était un peu le journal de la santé pour les gogoles. Les réponses aux questions pratiques des téléspectateurs, vous rappelez, il y en avait tous les soirs. Oui, il y a des questions? Oui, bien sûr. Alors, Beverly nous demande si j'ai le Covid de la main droite et que je me masturbe avec la gauche, est-ce que je peux tomber enceinte d'un Chinois? Oh oui!